Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Montclar-de-Quercy, chez Raphaël et Camille, et une fois n'est pas coutume, nous allons glander. Si, si, je vous assure, on va glander. Comment ça, rien faire? Non, 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 on va glander. Vous voyez pas. Bon, bah, écoutez, venez avec moi. Alors, pour bien glander, je vous le cache pas qu'il faut traverser certaines épreuves, parfois même très très délicates. Heureusement, c'est une saison où les ruches sont plutôt en sommeil, on va dire. Mais bon, on sait jamais quoi. Hein. Un petit rayon de soleil et puis banzai. Il y a les os, oui, qui se sont décalés. Du coup, il y a de l'eau qui rentre dans le corps de ruche. D'accord. Donc ça peut un peu fortement affaiblir la ruche. Ouais. Parce que, du coup, ils utilisent de l'énergie pour enlever toute l'humidité qu'il y a dans la ruche. Mais là, c'est carrément des gouttes entières qui tombent dans la ruche. Donc je vais juste chercher un lève-cadre pour déplacer ça. Et là, les glandes que vous voulez ramasser, là, par exemple? Bon, là, on peut, oui. Ouais. On peut commencer à glander, alors. Ouais. Chouette. Alors, voilà. On a commencé à glander, là. Hein? Eh ouais. Hein. C'est bien ça, hein? Eh oui, je vois. Le marsupilami sur la ruche, il a peur de rien. Hein? À la recherche du gland parfait. Celui qui, d'entre tous les autres, donnera un chêne fort et puissant. Ouais. Pas facile, hein? Alors, le marsupilami, ben voilà, il apprend, il découvre. En Palombie, à mon avis, le gland de chêne, ça doit pas être courant. Glander n'était pas une mince affaire, regardez. Un félin. Dans les hautes herbes de la savane. Un félin qui s'approche. Oh, oh là là, il remue la queue. Mon Dieu, nous sommes en danger. Oui. Ah non, il arrive, au secours! Quand je pense à Fernande, je glande, je glande. Quand je pense à Félicie, je glande aussi. Mais quand je pense à Lulu, je ne glande plus. Voilà, voilà. Pascal, le maillon d'un chêne. Là, on arrive au cœur de la forêt. C'est ici que on va pouvoir glander tranquille. C'est compliqué. Oh, oh bah dis donc. C'est compliqué. Ouais. Glander, c'est compliqué. Bah, on va le faire savoir à tout le monde, hein, parce que ça, je pense qu'il y en a qui vont être vachement étonnés, hein. Bon, oui, parce qu'il faut qu'il soit ni trop vert, ni trop marron, ni véreux, ni... Pouf, ah, je ne retrouve pas. C'est ça, glander. Je pense pas qu'on parle de la même chose, alors. Bon, pour l'instant, ça glande pas beaucoup, hein. Hein? Glander, c'est pas si évident que ça, hein. Bon, on va faire un effort, hein. Ou le retour de la panthère. Le retour de la panthère. Ah, non, il me mord les pieds. Ah non. Ah ben, nous sommes faits l'un pour l'autre, hein. Ah ben oui, hein. Alors, si vous voulez rencontrer des glandeurs, il faut pénétrer la forêt à vos risques et périls. Et puis, voilà, un glandeur. Voilà, j'en ai un, là. Je le suis. Un glandeur professionnel, apparemment. Il est outillé. Voilà. Bonjour, monsieur le glandeur. Bonjour, je glane en glandant. Ah, voilà. Glaner ou glander, il faut choisir, on a choisi les deux. Alors, glander n'est pas seulement une activité masculine, comme vous pouvez le remarquer. Regardez, une glandeuse professionnelle. Voilà le résultat après une heure. Bon, ça glande, mais c'est pas terrible quand même. Hein. On pourrait faire beaucoup mieux. Hein. Pas de bruit. Nous sommes en train d'observer un animal d'une rareté exceptionnelle. Un chat qui glande. Le glandeur professionnel se met toujours à l'abri du regard des autres pour glander tranquillement. Quand homme blanc coupait beaucoup de bois, hiver très rude. Alors j'ai enfin réussi à apprivoiser la bête. Ah là là. Je vous assure, c'est pas évident. Il y a quelques minutes encore, elle était prête à me dévorer. Et là, maintenant, ça va.
comme quoi, glander. C'est difficile de glander, madame? Ben, c'est difficile de les trouver juste à la bonne maturité. Ah oui. Et il vaut mieux les prendre dans l'arbre qu'au sol, parce qu'au sol, ils sont facilement véreux. Dans l'arbre aussi, il y en a qui sont véreux, là, par exemple, celui-là est véreux. Ah ouais. Donc, bon, écoute, on va la refaire, mais avec un peu plus d'entrain et d'émotion, si tu veux bien. Raphaël, ne glande pas trop, hein, ça peut être dangereux. Après toutes ces journées de pluie, là, aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée d'automne. Une journée idéale pour glander. C'est merveilleux. Bien là, c'est inutile de vous faire un dessin, hein, je pense que tout le monde a compris. C'est la définition parfaite du verbe glander. Voici donc l'objet de tous les désirs. Voici la rencontre improbable entre un félin et un marsupilami. Bon, le félin n'a pas l'air vraiment très intéressé. Je crois qu'il est jaloux de la queue du marsupilami, ça doit être ça. Donc, tu disais qu'il n'y avait pas que les écureuils qui ramassaient les noisettes, c'est ça, hein? Non, nous aussi. On glande dans les noisetiers. Ah, oh là là. Je voulais avoir ton avis concernant les noisettes. Pardon? Ça ne te concerne pas, oui. Je comprends. Par contre, ceux qui viennent manger les noisettes, ça te concerne? Hein? Chasser l'écureuil. Chasser l'écureuil. Oh! Oh, chat alors. Un félin. Un chat qui monte aux arbres. Le chat chasse. Eh oui. Et lui, c'est pas des glands qu'il cherche. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un glandeur. Enfin, si, quand même. Si, si. Le chat, c'est quand même le roi des glandeurs. Mais là. Là, il a un autre projet. Donc, toujours en direct de mon quart de Quercy, où ça glande vraiment très très fort. Et puis là, je pense qu'on arrive... on touche au but, là. On touche au but. On a bientôt terminé. Voilà. On glande, on collecte du bois. On ramasse des noisettes. Activités saines. Bien voilà, après avoir glandé toute une partie de la journée, c'est retour à la vie normale. Voilà, avec les glands, les noisettes et même un peu de bois. Un glandeur déchaîné. Un glandeur sachant glander. Ouais, sachant glander sous son chêne est un excellent glandeur. Et hop là. Non mais écoute, franchement, mettre 3 heures pour les ramasser et 5 minutes pour les balancer, hein, c'est pas du boulot ça, c'est quoi ce truc? Espèce de glandeur. Alors, on cultive de ces trucs ici. J'ai jamais mangé ça moi. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo divertissante. Enfin, on l'a voulu comme telle. Et puis, que vous avez, vous aussi, pu glander allongé dans votre canapé, l'écran entre les mains. Et bien, on vous embrasse et puis on vous dit à très bientôt.